Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo de collection de livres de coloriage. Aujourd'hui, c'est pour les Disney. Alors préparez-vous, installez-vous bien, prenez un café, un chocolat chaud avec des petites guimauves. Hein, parce que c'est parti pour l'anarchie. J'ai trop de blocs. J'ai trop de Bodoni. J'ai trop de mystères. J'ai trop de trous. C'est trop de Disney. Voyons. Alors, on va commencer par les blocs. Là où c'est que... Enfin, c'est le pire. C'est... Alors, j'ai le Cuties. Voilà, le bloc Cuties. Où j'en ai fait un dedans. Parce que ça doit être notre ami... Enfin, non, je sais pas qui c'est qui l'a fait, celui-ci. Mais voilà, c'était l'époque où il y avait du papier peint dans les personnages. Je suis en train d'essayer de passer outre, de me dire que voilà. Donc j'avais fait juste celui-ci. Voilà. Désolée pour le brillant, mais bon, ils sont dans des pochettes. Hein. Puis là, Ah voilà, j'ai mis des gnomes de Mario Labudec dedans parce qu'il me restait de la place. Ah, puis un peu de haï. Enfin voilà, c'est du PDF quoi. Voilà. Mais non, j'en ai fait qu'un dans celui-ci. Ah, voilà. J'ai le portrait où j'en ai fait ah oui, puis vous allez voir, j'en ai deux par plupart du temps. Ouais, ça c'est le mien, je l'ai fait il y a très longtemps. Donc il y a celui-ci de je vous montre même pas en fait. Moi et mes cadrages à peu près. Voilà. Je suis à peu près une youtubeuse, à peu près. Ensuite, j'ai fait Eugène. Enfin, Eugène, non, Flynn Rider. Je vois écrit Eugène, je dis Eugène, moi. Ah là 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 là. Et je crois que c'est tout dans celui-ci. Ensuite, on a le bloc message. Que j'oublie que j'ai, finalement, parce qu'il est dans le bloc portrait. Hein, voilà. Et du coup, bah, il est pas fait. J'ai pas commencé du tout celui-ci. Du tout, du tout, du tout, du tout. Mais j'adore les blocs, hein. Mais j'ai du mal à aller dedans. Hein? Mettez un petit pouce hein, dans les commentaires si vous êtes pareil que moi. Hein? Parce que je sais que je suis pas la seule. Je sais. Je vous vois. Ensuite, l'abécédaire que j'ai commencé il y a peu. J'y suis allée. Voilà, j'ai fait le gusto il y a pas très très longtemps. Mais voilà, c'est tout. Voilà. Bon, c'est un bloc qui est magnifique. Hein. Ils sont tous magnifiques, hein, les blocs. Hein. Je sais pas pourquoi on n'y va pas. Ensuite, j'ai aussi le Summertime. Où là, j'y suis allée bah, l'été dernier. J'en ai fait deux. Voilà. Par contre, on se... Ah, si, là. Voilà. Je fais celui-ci aussi. Et c'est tout. Ensuite, j'ai le bloc portrait tome 2 que l'on m'avait offert. Ma petite Milly chérie, qui je fais des bisous si tu passes par là. Big Ben, voilà, j'ai fait que celui-ci dedans. Voilà. Quand je vous dis que j'ai un problème avec les blocs, je les aime, mais voilà, je n'ose pas aller dedans. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il va falloir que je revoie mes packs. Mes packs, ouais, va falloir que je me mette un bloc par mois, un petit carré peut-être par mois, enfin voilà, peut-être que comme ça, ça marcherait peut-être, je sais pas. Enfin bon, bref, ensuite j'ai le magie, voilà. Est-ce que j'ai été dans le magie? Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Oui, j'ai fait buzz, voilà, mais c'est tout, voilà. Si vous aimez les étoiles, hein, allez-y, hein. Le magie est fait pour vous. Ensuite, le silhouette magique. Celui-là, on ne le voit jamais. Hein. Il est bien compliqué. J'en ai fait un, j'ai fait Winnie. Voilà. Voilà.
pareil, je l'avais trouvé d'occasion, celui-là, j'ai sur un coup de tête. J'étais limite partie dans l'idée de les avoir tous. Hein. Hop là. Ensuite, le Love Story, voilà, avec des papiers peints. Et dans celui-ci, bah, devinez quoi? Bah, j'en ai pas fait. Hein? Oh bordel de... Il va falloir que j'y aille. Mais vraiment, ouais, faire abstraction de ces motifs hideux. On a fini avec les blocs. Non, on n'a pas fini avec les blocs. Non, on en a encore. On a le BFF. Voilà. Qui me plaisait tellement. William Ball, voilà. Ah oui, on reconnaît William Ball, là. Regardez. Ça, c'est lui, ça. Ah oui, ça aussi, ça, c'est lui, ça. Notre ami Willy. Bah non, je ne suis pas allée. Hein? Pourtant, voilà, il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, ah, celui-là, je le veux. Mais... Ouais, c'est fond, c'est... Je sais pas comment les prendre, quoi. C'est... Il y a des motifs, tu sais pas pourquoi ils sont là. Mais non, va falloir que... Parce que les colos sont beaux. Les colos sont beaux. Regardez, plus beau. Enfin, voilà. BFF. Et j'en ai encore un. Est-ce que c'est le dernier? Normalement, c'est le dernier. Oui. Oui. Le En Famille, qui est magnifique, lui aussi. Est-ce que je suis allée dedans? Oui. J'ai fait... Donc, Belle et son papa, et Maurice. Et c'est tout. Je sais plus. Oh, j'ai aussi fait Réponse. Et son papa et son maman. Voilà. Hop. Et j'ai plus de place pour mes blocs, par contre. Le meuble est plein. Ensuite, on va passer au petit carré. J'en ai la masse aussi. Parce que ça aussi, j'avais dans l'optique de les avoir tous. Hein, voilà, la collectionnite aiguë. Bonjour. Alors, j'ai le Art Déco. C'est qui l'a fait celui-là? William Ball. Hein, Willy, encore frappé. Alors, j'ai fait Ariel. J'ai fait Prince Jean, c'est ça, je crois. J'ai pas vu tous les Disney, hein. Je suis pas... voilà. Ah, et j'ai fait Jafar aussi. Il est là, Jafar. Je crois que c'est tout. Ah non, Cendrillon. C'est le premier que j'ai fait dedans, ça. Voilà. Hop. Ensuite, le Love Stories. Est-ce que j'en ai fait dedans? Oui, j'en vois un. Je vois celui-ci. Voilà. Attends, c'est des colos qui vont vite. Hein. Ça, c'est cool. C'est des colos qui vont vite. Et bon, moi, c'est le stylo gel. J'adorais le faire celui-là. Et c'est tout. Oui, deux. C'est très rentable hein, comme livre. Je suis horrible. Ensuite, le portrait, un de mes préfs. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Ah, bah alors là, on en a plusieurs. Alors, on a fait Eric. Lui, je ne sais plus. Nick. Lui, j'ai raté le fond. Ralph. Je crois que c'est tout. C'en est un que j'adore, hein, mais vous voyez, j'y vais pas plus pour autant. Ah si, il y a Tiana. Tiana. Ouais. Ensuite, le bébé animaux. Oula, j'ai fait... Sébastien et Polochon. Ariel.
je vais vous décevoir, mais c'est les seuls. Oh punaise, c'est pas possible. Oh, faut vraiment que je me mette un coup de pied au cul. Je suis loin de finir un livre. Hein. Très très loin. Hein. Ensuite, nous avons le méchant. Hein. Celui-là, par contre, je regrette de l'avoir pris. Je l'ai acheté en occasion et je regrette parce que j'y vais pas. Et... Il y avait une Ursula dedans. J'ai voulu mettre du gesso, mais voilà, elle avait été commencée au feutre et du coup. Donc je pense que celui-ci, je vais m'en séparer, je pense. Parce que j'y vais pas et j'arriverai jamais à rattraper ça. Et puis bon, il y a beaucoup de motifs papier peint quand même dans celui-ci. Donc... Non, et celui-là, il s'en va. Allez, ça suffit, il s'en va. J'enlève les post-it quand même. Mais il va partir. Ensuite, on a le coco. Voilà. Celui-là aussi, je crois que j'ai acheté d'occasion. J'ai juste fait celui-ci dedans. Mais voilà. Celui-ci, on peut se faire plaisir avec les couleurs néons et tout. Peut-être que j'y retourne. Je vais le laisser là. Ensuite, le Winnie l'ourson. Celui-là aussi, je pensais qu'à lui, il fallait que je l'achète. Hein. Mais bon, voilà, je l'ai acheté. Moi, j'ai fait celui-ci. J'ai une place toute con. Voilà, celle-là, et c'est tout, je crois. Mais voilà, c'était vital que je l'aie. Hein. C'était vital. Mais les cons des fois, sérieux. Pouh. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des livres qui vous obsèdent, vous y pensez toute la nuit et voilà, vous pensez qu'à une chose, c'est l'acheter. Ensuite, le Mickey and Friend. Où j'ai fait ça. Ça, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré. Je crois que je vous l'ai pas encore montré dans les colos terminés, je crois. Oh, je vous ai spoilé, par contre, vous voyez. Le papier, c'est tellement bien. Et celui-ci, je crois que c'est tout. Voilà. Et enfin, le Disney, le petit carré Babies. Vous retrouvez maintenant avec une autre couverture. Hop, vous avez Papa, qui a un peu bronzé. Ma fille qui s'amuse à mettre les post-it un peu partout. Bou. Ensuite, on a Tigrou et Winnie et c'est tout. Voilà. Je sais pas si je suis capable d'en faire plus que 3 dans un carré, je sais pas. Mais bon, ça c'était tous mes carrés. Maintenant, je vais vous montrer tous mes Bodoni. On va commencer par les plus gros, hein. Et je vois qu'il m'en manque un là. Ah oui, là-bas, il faut que j'aille le chercher. Donc nous avons le Vitro 1. Voilà, que j'avais acheté d'occasion parce que il était plus édité. On le trouvait plus. Du coup, voilà. Donc j'avais fait. J'ai fait Blanche-Neige, mais je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai jamais fini. J'aime pas ce que j'ai fait. Donc je l'ai. Voilà, pour moi, elle est à l'abandon. Voilà, il y avait celui-ci de fait quand je l'ai acheté. Et depuis, j'ai fait. Est-ce que je vais trouver les pages? J'ai fait Clochette. Voilà. Et j'ai fait celui-là. Voilà. Ah, oui, celui-ci aussi. J'allais oublier lui. Vous voyez? Hop, mais je crois que c'est tout. Hop là, il faut que j'aille vous chercher le 2. Hop là, donc le Vitro 2 où j'ai fait celui-là, j'en ai fait un autre. Il est où? Oh, t'es où? Je suis là. Oh, bordel. Il est où? Bella, pourquoi tu fais des câlins à la caméra?
T'en fais pas ta mère. Mais c'est pas possible. J'ai pas fait que celui-là dedans. Donc, pâte hilaire. Voilà. Ah, je cherchais avant, mais c'est après. Et cendrillon. Voilà. C'est les deux que j'ai fait dedans. J'ai kiffé faire le petit bulaire, mais ouais, faudrait que je retourne dans celui-là. Hop là. Oh là là, ça se casse la gueule ou je rêve? Ça se casse la gueule. Allez, ensuite, les autres bonhommes. Nous avons. Le Princesse, d'ailleurs je pensais que le prochain qui va sortir était la copie conforme de celui-ci, mais en fait non, il va être tellement beau que je vais être obligée de l'acheter. Frappez-moi. Donc oui, celui-là c'est un des premiers que j'ai eu et je le faisais au crayon de papier, écran de papier bien sûr, au crayon de couleur, enfin il n'y avait pas de dégradé, il n'y avait rien du tout, c'était juste de la plat. Voilà, donc mais il y avait pas mal de stylo gel quand même, ça, du feutre, enfin voilà. Ouais, du feutre, voilà, avec des traces. Magnifique! Le décran de couleur pas fini, hein, bien entendu, parce que mes crayons de couleur étaient tellement secs que c'était une horreur. Et nous avons du néon, bien entendu. Voilà. Donc voilà mes premières œuvres. Ah, et là on appelle. Voilà. Mes premières œuvres d'art. Ouais, c'était un des premiers que j'ai eu. Voilà! Ensuite, nous avons le grand classique Art Déco. Celui-ci, je pense pas que je l'avais acheté. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai fait un carnage. C'est tellement moche. Qu'est-ce que c'est moche. C'était quoi le fond? Je sais plus ce que c'était. Mais c'était. Voilà, j'ai voulu utiliser les trucs d'action. C'était. Oh là là, c'était moche. Du coup là j'ai voulu mettre du gesso et tout pour essayer de camoufler ces motifs, mais ça ne marche pas. Donc voilà. Et du coup j'y suis pas retournée dans celui-là. J'ai juste fait ça et puis voilà, j'ai fait une horreur et j'y suis pas retournée. Voilà. C'est qui faisait ça? Alors, qu'on lui jette des cailloux. Qui c'est? Illustration. Aurélia Stéphanie Bertrand. Eh ben je ne vous salue pas madame. Voilà. Enfin, à mon avis, elle devait être obligée de faire ça. On lui avait dit de... je pense. Ensuite, bah, nous avons le tome 2. Voilà. Celui-ci, je l'ai depuis fort fort longtemps. Et c'est qui? Bah, c'est pareil. C'est la même personne, hein. Voilà. Et j'ai fait celui-ci dernièrement. Du coup, je vous spoil. Si vous voyez la vidéo... enfin, oui, c'est la vidéo... si je poste la vidéo avant mes coloriages terminés. Voilà, je vous spoil. Mais... j'ai fait dingue, vous voyez, j'ai fait abstraction des motifs et ça s'est très bien passé, j'ai kiffé le faire et ça a été très vite, donc super cool. Et j'en avais fait un autre à la base dedans, enfin voilà, c'était quand je me suis remise un peu au colo, mais j'avais des crayons secs. Est-ce qu'il est où? Est-ce qu'il est où? C'est celui de la couverture, c'est Ariel, où j'ai mis blinde de paillettes. Voilà, mais voilà, c'était pas encore ombré ou quoi que ce soit, c'était pas... et ouais, j'ai même pas fini là, la fleur. Hein. Mais voilà, c'était beaucoup trop sec à mon goût, mais voilà. Mais j'ai bien kiffé faire dingo, donc je vais retourner dedans. Ensuite, nous avons le méchant... qui est juste magnifique, ma chérie. Alors j'ai fait une double page. Alors, j'ai fait ceci. Je voulais que les deux pages matchent. Alors voilà. Et je crois que c'est tout. Pardon. Je suis exténuée en ce moment. Non, c'est oui, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Dans ce livre magnifique, je n'y suis pas retournée. Voilà. C'est celui-là que j'aimerais bien faire patibuler. Il est où? Là, j'aimerais bien faire celui-là. Mais il est trop beau ce livre. Et le dernier beau Denis,
c'est le Histoire éternelle. Celui-ci, c'est pareil. Il fallait que je l'achète, sinon, voilà, je dormais plus. Hein. C'est... Je le voulais. Alors, j'ai fait Lilo et Stitch. Et c'est Aurore. Je crois que c'est Aurore. Hein. Voilà. Donc, on est à deux partout, là. Mais oui, j'en ai pas fait plus. Par contre, le papier, pas ouf. Hein, pas ouf, hein, achète. Ensuite, j'ai deux marques de marque de page. J'ai le mini portrait et j'ai le Babies 2. Voilà, et je m'arrête là parce que, bah, voilà. Mais j'adore celui-ci. Il est vraiment cute au possible. Et le Babies, j'ai un peu plus de mal parce que bah, je trouve que c'est pas forcément bien coupé et il y a des papiers peints et enfin je vois. Mais enfin bref, j'ai ces deux-là et c'est suffisant. D'ailleurs, il va falloir que je les mette dans mes porte-vue. Ensuite, on va attaquer. Non, je vais peut-être vous montrer celui-ci. J'ai le Disney Character Steampunk. Voilà, chopé sur Amazon. Je sais pas trop si c'est légal tout ce stockage là, je sais pas trop, mais bon voilà, j'ai vu ça, mais j'y suis pas allée hein, depuis. Voilà. Je l'ai pas entamé et plus je le regarde, plus je trouve qu'elles ont un peu des têtes un peu bizarres des fois quand même, donc je sais pas trop si je vais garder ça ou pas, je ne sais pas. Bella, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu veux pas de câlin, d'accord, voilà. Au revoir. Ensuite, on a des grands carrés. Donc, j'ai le C'est la fête. Ah non, j'ai oublié un Bodoni. Bah, je le montrerai après. C'est la fête. Donc, le tracker qui n'est pas à jour. Bonjour. J'ai fait cette double page. Ça, c'est du William Ball. Ah. Je t'ai reconnu, Willy. Et j'ai fait celle-ci aussi. Et là, ça m'a gavé de pas avoir... ça soit pas symétrique, ça m'a énervé. J'ai aussi fait dernièrement celui-là. Voilà. Mais c'est tout pour lui. Désolée. Ensuite, du coup, je l'ai mis où ? Là. J'ai aussi le Love Stories dans les grands carrés. Où j'ai fait celui-ci. Et celui-là. Il faudrait que j'y retourne. Ouais, il faudrait que j'y retourne. Je l'ai acheté d'occasion celui-là, c'est pareil. Je sais pas trop si je vais pouvoir rattraper ça. Je sais pas trop. Ouais. Non, je le range. Et dernièrement, on m'a offert celui-ci. Attention, je vous spoil. Il est où ? J'ai fait celui-là. Mais je pense que je vais rajouter peut-être quelques petits trucs. Je sais pas. Je sais pas si je rajoute des trucs. Mais j'ai fait ça. Et je vais commencer. Moulin. T'es où, Moulin ? Voilà, je vais commencer Moulin bientôt. Dès que 2 minutes. Je commence Moulin. Ensuite, on va passer au mystère. Alors, le tout premier, voilà, le grand classique, le tout premier que j'ai eu, du coup, bah, c'était feutre et bah, feutre. Feutre moche, feutre trace, feutre erreur, feutre. Bah, caca. Voilà. Là, je commence à avoir les super tips, je crois. Mais bon, ça fait des traces, c'est moche. Et bah, voilà, quoi. J'aime pas au feutre. Ça, c'est mon premier au crayon de couleur. Du coup, moi, j'utilise les... mon premier rangé. J'utilise les Opos, mais bon, je suis pas fan. Brut Funeur Square, Brut Funeur, basique. Voilà. Et puis c'est tout. Oh là là, j'avais mis mon truc, mais bon, je pense que ça va se. J'avais mis un truc, mais on va pas tout. Bon, ça va se gommer, je pense. Voilà pour celui-ci.
Oui, je le fais dans l'ordre celui-là. Je sais pas pourquoi. Ensuite, il m'en manque un. Il est où? Il manque un. Bah merde. Excusez-moi. Mais oui, il manque un mystère là. Les comptes sont pas bons là. Il est où? Celui avec. Comment ça s'appelle? Alice en couve. Il est passé où? Ça va pas, ça. Ça va pas, ça va pas. Ça y est, je vais être mal. Il m'en manque un. Donc, dans celui-ci, donc le grand classique tome 4, j'ai fait Moulin. Et c'est tout. Ou pas? Non, j'ai fait lui aussi. Mais oui, il m'en manque un. Mais c'est pas possible. Il est où ce livre? Ah, si je l'ai perdu dans le déménagement, non, moi je vais péter un câble. Il est où? Parce que mes mystères, ils sont tous rangés là. Là, c'était vide. Mais là, tu mets pas de coup de pied, de coup de tête ou quoi que ce soit dans le trépied, mademoiselle. Parce que ça va mal se passer pour tes fesses. Il est où ce livre? J'ai rien sur le bureau. J'ai rien de PC. Punaise. Je suis pas bien là, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Il est pas là. Ça j'ai vidé, ça j'avais tout vidé aussi. Ok. Donc, j'ai aussi le Mickey Donald & Co. Donc dans celui-ci, j'en ai fait. Aucun? C'est dans quel que j'ai fait mini? C'est pas dans celui-là que j'ai fait mini avec le four. Je deviens folle. Bon, bah celui-ci est intact, mais du coup c'est dans lequel que j'ai fait mini? Je deviens dingue. Au secours, j'ai trop de livres. Bon. J'ai aussi le princesse. Oula, j'ai fait Ariel et Cendrillon. Ça me tracasse cette histoire. Faut que je regarde sur ma pile. Ah, j'ai une pile en dessous. Oh non, ça doit être là-dessous là-bas. Je me pose. Vous allez rire, j'en ai pas retrouvé qu'un. Oh mon dieu, c'est pas possible. J'en ai retrouvé trois mystères. J'ai retrouvé trois mystères et un hors Disney. Hein? Voilà, que je vous montrerai bah, du coup. Mon dieu, mais voilà, j'ai retrouvé celui que je cherchais. Voilà, celui-ci, le grand classique tome 3. C'est pas possible. Où j'ai fait Vanellope, où voilà, j'ai essayé de récupérer parce qu'il y avait du sac qui avait transpercé. Donc. Celle-ci, je l'ai fait à moitié parce que c'est ma soeur qui me l'a refilée parce qu'elle n'arrivait pas à aller dedans. Du coup, elle avait fait celle-ci, elle avait commencé celle-ci, et moi je l'ai terminée et j'ai fait celle-ci. Et je suis pas retournée dedans depuis. Ben non, t'as trop de mystère, meuf. Oh non. J'ai aussi le Girl Power. Bah ouais, on l'avait oublié celui-là. Hein, notre ami William Ball. Donc dans celui-ci, j'en ai fait un. J'ai fait Raya. Voilà. Oh, pas possible. Bella, pas de bêtises, hein. Et j'ai aussi retrouvé le Mickey and Friends. Voilà, de Jérémy Mariez. Et c'est dans celui-là que j'ai fait mini. Voilà. Je vous jure. Et j'ai fait que celui-ci, bah oui. Et je vous ai pas montré du coup. Le mystère méchant. J'en ai fait un, mais je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Je trouve que voilà, c'était trop précis. C'était trop petit. Enfin, j'ai pas kiffé du tout le faire. J'ai eu du mal. Donc voilà, crochet.
Et depuis, j'y suis pas retournée. Bah ouais, bah ouais, bah voilà, voilà, voilà. Et c'est qui? Oui, Jérémy Marais, je le dis. Et dernièrement, je me suis pris le Love Story. Bah oui, j'avais pas assez de mystère, hein, n'est-ce pas? Et il n'est pas commencé celui-là. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de zones qui sont pré-colorées. Oh là là! Hein? Donc, ouais, on voit. Mais voilà, je me suis pris celui-ci. Allez. Les mystères. Il n'y a pas de mystère. Ensuite, le Bodoni que j'ai oublié de vous présenter. Donc, est-ce qu'il rentre? Non, il ne rentre pas celui-là de toute façon. Le Galerie de Portrait, qui est magnifique. C'est un livre magnifique de collection. Voilà. Où j'ai fait Flash. Voilà, j'ai fait Flash. Que j'ai adoré faire d'ailleurs. Il faudra que je retourne dedans. Mais oui, magnifique livre. Hop, on va mettre tout là-haut. Voilà. Là, je crois que j'ai fini pour les Disney. Et du coup, je vais vous remontrer ici le hors Disney que j'ai retrouvé, tant pis. J'ai retrouvé celui-ci. Mais bon, il compte un petit peu pour du beurre parce que c'est un des premiers que j'avais. Et comment vous dire, j'y allais. Voilà, je faisais pas. C'était à l'arrache. C'était ouais, avant la chaîne s'appelait Valley Nails. Elle a eu plusieurs noms, il y a eu Valley Nails, Val Books and Beauty et maintenant Chuddle. Voilà. Avec les passions ont évolué. Oh là là, c'est horrible. Voilà. C'est horrible. Les crayons trop secs, enfin voilà, c'est pas pigmenté. Enfin, tu t'arraches la main. Essayer de colo, mais oui, il n'y a que ça de fait en fait. Donc il faudrait que j'y retourne, mais avec peut-être en suivant un color along ou voilà, pour essayer d'appréhender. Ce genre de colo, parce que bah c'est pas ma cam quoi, finalement. Je sais pas. Mais bon. C'est le résistant des Joanna de Basford. J'ai donné à ma soeur le spécial Noël là. Mais non, j'ai du mal. Hein. Je sais même pas où le ranger du coup celui-ci. Mais bon, voilà pour ma collection de livres de coloriage. Vous avez tout vu, bah, sauf les PDF forcément. Mais sachant que j'en ai énormément aussi. Mais voilà, il faudrait que je me soigne, peut-être. Je sais pas si c'est la solution. Enfin bref, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites de beaux colos. Et on se retrouve sur Insta ou sur Twitch, sur les chaînes des colo copines. Et plein de bisous. Ciao ciao.